Eh bien, salut à vous les amis, c'est Dessan, on se retrouve aujourd'hui sur... Rome Total War 2. J'espère que vous allez bien. Moi, super. Je suis pressé d'avancer avec nos tétons, avec nos tétons, avec nos bretons. Salut à toi, Manuclin, salut à toi, Todon, salut à toi, Jean, salut à toi, Si. Salut tout le monde, 6 minutes de retard, je sais, c'est pas bien, c'est pour ça que je vous ai mis une petite musique d'attente. Tranquillou, on va la descendre d'ailleurs la musique parce que je pense que vous allez commencer à plus m'entendre. Voilà, je la garde toujours dans les oreilles, je vais lever le son dans mon casque et passer sur le jeu de suite. C'est parti, mon kiki, c'est à fond. J'aime bien la musique, alors je vais la monter mais je vais baisser le son sur OBS. Voilà les amis. Voilà, comme ça vous m'entendez plus, moi, que la musique. T'as bugué tel un steak haché. Donc, normalement, j'ai lancé en plus de ça l'enregistrement manuel de notre live. Donc normalement, il devrait s'enregistrer. J'ai lancé l'enregistrement manuel. Je revérifie, excusez-moi. Je vais être sûr, pour pas vous dire de bêtises. Je vais aller sur le stream. Modifier. Live stream. Ok, il s'enregistre. Donc normalement, vous l'aurez sur YouTube. Tous ceux qui peuvent pas voir. 12 viewers, biatch! Yes, affranceur! Allez, c'est parti. On se lance sur le jeu de suite. Salut, Mouha! Bonsoir, bonsoir à toi. Et genre, s'il est pas modo. Bon, de toute façon, on a des modos, mais pour l'instant, on n'est pas assez pour en avoir. Allez, c'est parti, j'échange. Et let's go. Tout. Tout. Le petit entourage qui va bien. Il veut pas. C'est pas grave. Tout à fait, mon ami. Allez, je vais juste baisser le son du jeu, par contre. Alors, ce qui est juste énorme, c'est que du coup, maintenant, pour ma gueule... Alors, vous, vous n'allez pas trop le voir, parce que j'ai pas une connexion suffisante pour balancer ça. Mais maintenant, le jeu va être d'une qualité surprenante pour moi, puisque je le passe en énorme. Alors, il est où le casse des tétons? Je l'ai pas eu encore. Je le passe en mode super ultra de la mort qui tue, qui flingue, et ça va être génial. Allez, c'est parti, on charge les vikings. Let's go. Et oui, je casse des tétons, tout à fait, Todon. Bah oui, je sais bien, j'ai pas pu, j'ai pas trouvé encore, j'ai pas été chercher. Mais ce week-end, je vais aller me chercher ça, je pense. Je vais aller dans un petit... Tu lags. Je n'ai pas d'image perdue. Donc, n'hésite pas à descendre peut-être la qualité. En 720p, c'est plutôt propre, je trouve, hein. Dailymotion, ça... Se tient de mieux en mieux. Oh, mais c'est pas fait en un jour. Eh oui, je sais bien, mon ami. Ça, c'est sûr. Allez, nous, on va pas du côté de Rome. Nous, on va du côté des Bretons. Merde. Reloader la page, les amis. Si vraiment ça lag, parce que ça serait dommage de manquer un petit bout. Bon, le jeu est un peu long, toujours, hein, chargement. Premier chargement est toujours un petit peu long. Faut pas s'inquiéter, rien de méchant. Ça marche, Manu Clean, donc vous voyez, hein. Mouha. Bah oui, on devrait l'appeler Mouha. Mouha. Ça va mieux. C'est bien mon neveu. Ok. Bon, bah, je viens d'apprendre. Vous allez apprendre en live direct de la mort qui tue que Aldo Cado arrête. Arrête tout simplement le partenariat avec les chaînes YouTube. Donc vous n'aurez plus de cadeaux d'Aldo Cado. J'espère que j'arriverai à avoir un... J'espère avoir un autre partenariat bientôt. Donc je vais pouvoir enlever tout ça d'Aldo Cado. Au moins je vous aurai offert Battle Pi 4, les amis. Hein? Pour GTX Sora. Et oui, je me souviens de ton pseudo. Bon bref, même si tu n'es pas là ce soir, on s'en tape le coquillard. Non, c'est pas bien ça. On se retrouve donc aujourd'hui sur Rome Total War. Donc là, j'ai mis en ultra. Je pense que... Ah, putain. C'est bizarre quand même. Hein. Le fait d'avoir l'affichage, ça fait toujours un petit peu laguer. Alors que... Salut, Skeletor. Bonsoir à toi, saluté, comme dirait Todon. Mais bon, c'est pas grave. C'est largement gérable. C'est peut-être moi qui ai des problèmes au niveau des yeux. J'ai les yeux qui captent que 20 FPS, peut-être. Bon, où en étions-nous? Regardez tout ça.
Tout ce qui est bleu ici, les amis, c'est tout simplement à nous. C'est tout simplement aux Bretons, à la Confédération bretonne. Donc faut faire attention, on a quelques ennemis qui viennent se balader. On va bientôt bouffer la Confédération gauloise, on va pouvoir lui dire « Au revoir !» Ah merde, sa franceur, c'est con. Oui, Manuclin, j'ai changé la carte graphique, je suis passé sur une GTX 770 OC de la part de de MSI, qui est une très très bonne carte d'ailleurs, que je vous conseille. Hein, franchement, ça envoie du pâté lourd, je peux faire tourner Watch Dogs dans l'Ultra en streamant en même temps. Donc c'est pour vous dire. Ah merde, vous buguez aussi, bah n'hésitez pas à reloader les amis, parce que c'est vraiment dommage de louper ça, je trouve. Putain, c'est vraiment pour baisser le son. Bien la chemise, t'as kiffé? Oh merde, je suis en train de me coincer entre les couilles, le fil du casque. On va peut-être baisser le son quand même, parce que le son de la musique. Alors, où en étions-nous encore une fois? Donc on est en train de bouffer les Gaulois, il va avoir de l'épic ce soir, on va envoyer du lourd. Je suis un petit peu paumé parce que je m'en souviens plus. On avait des recherches en cours. On avait des recherches au niveau des corruptions dans les provinces. Vaut mieux puisqu'on commence à vraiment envahir des provinces ennemies avec des cultures complètement. Non, c'est pas une référence, c'est vrai, mais il est très très mal optimisé. Complètement. Je sais plus ce que je disais. Bref. C'est pas grave, on s'en fout. C'est ça que je voulais voir. Non, je peux pas. Ok. Donc on a beaucoup d'argent quand même, ça va, hein? On n'est pas... Oh putain, mais si, c'est ça. Regardez, on peut les améliorer. Qu'un entraînement disponible, par contre, on peut améliorer les armes. Donc on le fait, tant mieux, vaut mieux améliorer les armes. C'est d'ailleurs ça que j'ai pu débloquer dans ma campagne... des Romains. C'est-à-dire que maintenant, je peux améliorer l'entraînement de mes soldats. Et donc, du coup... Je suis meilleur à quand l'Irlande? Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, bref, il faut qu'on continue à pousser vers le sud. Par contre, je ne sais plus, ce sont des alliés ou pas. Je m'en rappelle plus, j'ai tellement d'alliés, d'ennemis, d'alliés, je ne sais plus. Les Boïens sont des ennemis, les Chérusques qui sont des Germains sont mes alliés, les Suèves aussi. Donc non, ce sont des alliés qui marchent au sud de la Gaule. Allez, nous aussi, on va commencer à avancer dans le sud de la Gaule. Allez, c'est parti. Avance ton armée, ma gueule. Et on va aller voir ici un petit peu. Qu'est-ce que j'avais? J'étais en train de construire donc des écuries qui vont donner plus de nourriture. Par contre, je suis à moins 4. Donc, il y a un moment, ça va peut-être descendre. Pourquoi je suis à moins 4? Peut-être une petite instabilité. Instabilité provinciale qui va redescendre. Puisque mes alliés sont là, donc ça ira. Tout achevé, qu'on va pousser vers Toulouse. Tolosa. Après avoir pris... Bordeaux, Burdigala, Bordeaux, hein. On va avancer sur cette ville qui n'a pas énormément de grandes défenses. Elle a une petite flotte là dans la Gironde, dans le petit estuaire de la Gironde. Il y a une flotte de Harvark qui sont en fait des hispaniques, hein, qui sont les Espagnols. Donc on va leur botter le cul. Et c'est vrai que ça serait plutôt pas mal qu'on aille envahir l'Irlande. Hein. Malgré ça, mes alliés ont quand même de grandes armées. Donc il va falloir certainement lever une armée ou pousser une armée qu'on avait au sud, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça se construit, c'est bon ça, parce que du coup, par contre je suis à moins 2, donc c'est pas bon non plus. Est-ce qu'il y a une petite instabilité provinciale? Oui, une instabilité provinciale qui va partir. Ici je suis plutôt pas mal, sauf qu'on est à 0. Là je vais passer à moins 4. Plus 2 d'ordre public, ça va être juste... Va falloir passer ça après, hein. Faut essayer de passer ce truc-là. Certains, on est à 0, là. C'est pas bon, hein. Bon, eux, ils sont à plus 3. Donc, du coup, plus 3 aussi. Plus 3 et plus 3. Et eux, là-haut, Eldon, ils sont à plus 4. Donc, y a pas de soucis, ma gueule. Allez, on va donner de l'épic. On va avancer un petit peu sur les Gaulois. On va leur péter la gueule, là, parce qu'ils commencent vraiment à me casser les couilles, ces petits Gaulois. Donc nous on avait pris, oui, dernière bataille qu'on avait fait, la grosse bataille qu'on avait fait, c'est Medlan, je sais pas comment on va l'appeler. Mais bon bref, voilà, avec notre armée qui est là, et qui attend juste de se fighter. Donc on va passer le tour, on va voir ce que vont faire les ennemis. Oh putain, attendez, j'ai plein de... Alors ça doit être mes agents qui peuvent augmenter... Ouais. Tout à fait. T'excites pas non plus, hein.
On va faire ça, échapper aux agents, c'est plutôt pratique. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Après, je le connais pas, moi. Vous pouvez mettre en place un élite dans l'un d'une des provinces que vous contrôlez totalement. Satiolos. Bah, celle-ci, Satiolos. Non. Ça va être celle-ci. Non. Ça va être celle-ci? Celtica. Non. Ça. Non. Satolos. Satolos, c'est quoi, Satolos? Non. Ça? Ça, c'est Satolos? Mais non, c'est pas Satolos. Et c'est où, Satolos, là? Je t'en fais une, Satolos, moi. Britannia? Britannia? Celtica? Je connais pas Satolos, moi. Fais chier avec son Satolos. Bon, tout ce que je fais, c'est que je sais qu'ici, on peut. Donc, moi, j'ai besoin... Voilà, c'est bien. Des pains et du jeu. Voilà, comme ça, on remonte. Direct. Cache ma gueule. Ce personnage, j'ai une compétence non assignée Satolos. Alors, je ne sais pas où il est. C'est peut-être lui. Hier, yeah, on l'a trouvé, les amis. C'est lui. Ok, meilleur soldat. Général, meilleur général, c'est parfait. Satolos, tout à fait, c'est revenu pour moi, 720 de retour. Et oui, des fois, faut être un petit peu patient, les amis, pour retrouver... Non, c'est forcément allié, si je peux en fait faire un edit, c'est-à-dire que je contrôle totalement la... La... Je vais y arriver. La... La région. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un petit message d'une pote, vous voyez. C'est bien. L'obtention du média, s'il te plaît, mon ami. Alors, traité de paix, 1600. Ben pourquoi? Tu payes pas beaucoup cher? Attends, tu vas payer un peu plus cher. S'il te plaît, hein. 3006. Est-ce que tu veux? Oh, tu veux pas? C'est dommage. La campagne paye sur Twitch. Oui et non. Parce que là... Hey, salut à toi, Mister Codestaff. Putain, mais vous êtes nombreux ce soir, les amis. Vous avez envie de voir du live? C'est ça que c'est bon, 12 viewers. C'est cool, dès le début, 12 viewers, comme ça. Hop là. Et ouais, peut-être, c'est possible. Et d'ailleurs, juste après, à partir de 22h30, si vous me suivez sur Twitter et Facebook, je crois pas que je l'ai mis, mais sur Twitter, je passe sur Twitch. On va faire un petit live sur le début des lives sur sur Wildstar. À partir de 22h30, Twitch, je vous donnerai le petit lien comme la dernière fois, et on se retrouve sur Twitch, les amis, parce que c'est un petit peu en dehors de la TGS. Donc voilà, tout simplement, ma gueule. Allez, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai même pas regardé ce qu'ont fait les ennemis. Ok, recherche terminée. C'est parfait. Autorité indiscutable. Oh merde, j'avais loupé. Fallait que je recrute un truc. Le problème, c'est que des fois, on a des missions comme ça. C'est vraiment évident. C'est pas évident d'aller chercher. Moi, il y a un truc que je voulais vraiment augmenter. C'est un grand garde-manger, d'accord. Un charpentier pour avoir des sièges. Pour avoir des tours de sièges. Bah voilà, on va faire ça. Wild Star. Non, j'ai pas avancé du tout. Je me suis arrêté, ça français où on était. Et je pense que je vais souvent, en fait, avancer avec vous en live. Parce que je vais faire pas mal de live dessus, hors le jeu de la NASA. Il est con. Je vais pas mal avancer sur ce jeu, parce que je vais vous faire beaucoup de live dessus, je pense. Donc voilà, on va essayer de prendre Marseille aussi. Marseille, une très très grande ville, qu'il va falloir essayer de choper. Ou pas. Ou pas. Ou pas du tout, même. Recule. Putain, vous avez vu toute l'armée qu'ils ont là? Va falloir qu'on aille foutre le bordel un peu. Hein. Je m'ai endormi. T'as fait le début? Ouais, j'ai fait le début, j'ai passé le didacticiel. Donc là, on passe vraiment sur la planète de Nexus. Et vous allez découvrir un petit peu quelque chose de plus sympa. Putain, mais il me casse les couilles. Alors attends, vu qu'elle est un petit peu plus forte. Oh, massacre, 27%, ça va passer. Oh, échec propice, espèce de boulet, va. Putain, mais... Ah, tu quittes à 22h. Bah écoute, ce n'est pas grave, t'inquiète pas, je fais plein de lives, et en plus de ça, il y aura les rediffs sur Twitch, donc elles iront sur YouTube en même temps. Elles sont pas de super qualité, je l'avoue, mais voilà. Du coup, je peux pas, je peux rien faire avec lui. Merde, je peux rien faire avec lui. Lui, bah il est là. On va prendre Génua. Génua qui est juste... Gênes qui est juste au-dessus de l'Italie. Donc on va bientôt attaquer... Les Romains. On va leur expliquer un petit peu comment ça se déroule, hein, face aux Vikings. Ça rigole moins. C'est pas des Grecs, c'est pas des mecs en jupette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai bien vu. Bah, heureusement qu'il m'a remercié. Attends, je lui offre Watchdog comme ça. Je suis gentil, j'aurais pu l'offrir à mes abonnés. Et je me suis dit, allez, non. Je suis un mec sympa. Je suis un beau-frère sympa. Et oui, parce que bah, c'est mon beau-frère. Allez, on attaque Gênes, au nord de l'Italie, les amis. Ça y est, on commence à titiller les Romains. On va voir ce que ça donne. Allez, première
première attaque. Alors je ne sais pas si le jeu va laguer ou pas malgré ma carte graphique. Je pense que le fait de faire tourner, pourtant je suis même pas à 50% des capacités de mon ordinateur. Je vais voir au niveau du truc. Je vais peut-être baisser un peu le bloom et tout parce que c'est quelque chose qui me fait très très mal aux yeux. Oh le scoop, ma gueule! Et oui. Donc oui, pourquoi pas, j'ai reçu un message ou pas là? Putain, je parle beaucoup ce soir, hein. Je suis un petit peu pipelette, hein. Parce que je suis content. Je suis content quand je vois qu'il y a 14 viewers, je suis content, moi je suis un mec content. Vas-y, j'ai les easy tout dire, hop, vous avez entendu? J'ai tapé en dessous le bureau. Ah, bon bah sur ce, j'espère que vous allez bien quand même, hein, parce que il le faut, hein. Les examens approchent pour ceux qui les passent. Peut-être avec moi, oui, mais je pense que ça sera plus moi qui vais live, parce que du coup, lui, je pense pas qu'il pourra live dessus. Hein. Et ouais, donc les examens qui approchent, les amis, je compatis. Oh merde, putain, on a du brouillard du coup. C'est quoi le message que t'as reçu? Ah, j'ai pas compris. Bah écoutez, regardez le jeu en ultra, comment il envoie du pâté quand même. Il envoie du lourd, hein. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, je vais plus bouger. Regardez comment les mecs sont quand même super détaillés. Lui, il a un peu de rides. Je vais arrêter de bouger, vous allez voir, ça va bien passer. Lui, hop, une grande moustache. Une grande moustache. Oh, un petit peu, lui aussi. On dirait des Chinois, un petit peu, des fois. Bon, en fait, ça va, hein. Je pensais que ça allait hacker, mais pas du tout. C'est une grosse blague. Ok, donc là, bon, ça va être assez simple de prendre gêne, hein. Salut à toi, Senji! Ah, mais c'est pas grave, Alexis. Et oui, parce que vous avez même ici, sur le chat, notre développeur web, notre doué C86, enfin, Alexis, alias C86, notre grand développeur web. Je vais faire une petite chose, les amis, avant de commencer cette belle bataille. On va aller chercher une musique un petit peu plus folklore, grâce à notre ami Todon. On va aller chercher tout de suite. Alors, je vais aller chercher qui m'avait envoyé le lien, parce que j'ai la flemme d'aller le rechercher sur YouTube. Donc on va aller chercher ces Epic Music. Hop là, tu vas couper ça. Donc excusez-moi si je lance pas tout de suite, hein, la bataille. C'est juste pour mettre la musique qu'il faut, parce que sinon c'est pas marrant. Allez hop, on switch. Et c'est parti les amis. Grosse bataille. On va monter un petit peu le son. On va monter même bien le son. Et là c'est la guerre, je vais essayer de me taire et de vous donner du spectacle. Je vais même me mettre dans l'ambiance. Je vais monter un petit peu. C'est parti. Prêt pour la bataille. Je vais essayer de la jouer stratège. Ah, je vous ai pété les oreilles, les amis, excusez-moi. Baissez un petit peu le son dans votre casque, parce que ça va envoyer du lourd. Bon, c'est dommage avec le brouillard, parce que du coup, vous voyez pas très très bien les unités. Parce que même moi, je les vois pas très bien. Pas laisser mon général tout seul quand même. Ok, c'est parti ma gueule. Allez, on rentre en mode combat. Let's go. Putain, ils sont même pas dans la ville. Ah si, ils sont dans la ville, j'ai rien dit. Savourez. Allez, envoyez. Normalement ça c'est les lourds.
en avant, chers soldats. Pour la gloire des Bretons. Alors par contre, j'ai laissé mon Vélux ouvert. Je vais te casser l'ambiance, là. J'espère juste qu'il va pas avoir un avion qui passe ou un truc comme ça. N'hésitez pas à me le dire si vraiment c'est dérangeant. Bref, on continue notre bataille. Dommage parce que j'ai téléchargé un mode qui permet de gérer. Ah, fuck that shit! Allez, en avant. Vous allez voir ce que vous allez bouffer, bande de fils de pute. Vous allez apprendre à connaître les vrais Bretons. Attention! Mur de bouclier! Les attend. Alors là, on va faire attention parce que je pense que... Non, c'est bon. Il a un cochon gravé au haut de son sceptre. Bah alors, je veux bien voir ça. Oui, mon ami! Ceci est un cochon. Le cochon de l'espoir. Le sanglier de l'amour. Le sanglier de la guerre. Tu connais ma gueule? Allez, faites-vous plaisir. Maintenant. Regardez. Let's go charge! Qu'est-ce qu'ils font là? On dit charger, bande de salopes. Vous allez rester en arrière. Et ciao. Mais non, pas comme ça! Pas comme ça! Charge! Apprenez-leur la vie à ces salopes! En tortue! Oui, parce que... Les Bretons aussi savaient faire la tortue. Ils ne connaissaient pas que le cochon, mais aussi la tortue. Non mais j'ai dit la tortue, tu connais la tortue ou pas ma gueule? Ça bug un petit peu. Non, en fait, tout simplement parce que c'est un mode. C'est un mode qui permet d'avoir plus d'unités. Par contre, j'aime pas trop là la musique. Parce que je la trouve un petit peu trop. On change parce que je trouvais ça un petit peu trop électro pour un jeu comme ça. Allez, reculez. Reculez! Et mur de bouclier! Mais ils font quoi? Ok. Ouais, c'est à vous de faire là. Maintenant. Maintenant. Vous faites... Le détail. Maintenant. Ouais. Avancez rapide! C'est ça. Musique genre Dovahkiin. Trouvez-moi ça sur YouTube. Allez-y les amis, je vous fais confiance. On va envoyer le plus gros de notre armée. L'armée lourde. Je sais même pas s'il passe là-dedans, tellement c'est serré. Ouais. Attendez. On va essayer de trouver ça. King of the North. Ça va peut-être donner du lourd, ça.
plaisir, c'est maintenant. Voilà, ça c'est de la musique, ça. Allez-y, trouvez-moi quelque chose. Alors. Ils sont partis où les autres? Mais non, mais poursuivez pas! Bande de nazes! Bon, allez-y, ça va les faire chier. Allez, là ça va être la charge la plus frénétique qu'ils n'ont jamais connue. Ah, le buisson qui gêne! Alors, tu vas connaître ta mort. Allez, gardez votre formation comme ça. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Mur de bouclier. Le moindre mec qui veut sortir, il est mort. Faut vendre de l'épique, il y a un moment où... Je pense qu'on les écrase juste un petit peu, c'est pas dur, c'est une petite bataille en même temps. Allez, tout le monde en même temps, fuck that shit, motherfucker! Voilà, terminé, allez, victoire décisive, bitches, dégage! Ok, 4 minutes, ça marche. Donc on enverra ça à 4 minutes. En attendant, on se remet à notre petite musique de campagne. Tranquille. Bon voilà les amis, donc... Bon là, c'était pas super épique, j'ai essayé, mais bon, c'était pas génial. Voilà. Bon, sinon, à part ça, j'espère que vous allez bien. C'est vraiment sympa. Je vais avoir en plus la rediff, c'est ça qui est cool. Franchement, je suis content. Je suis content, les rediffs se voulaient faire manuellement, j'avais pas vu, c'est Rémi qui me l'a dit. Allez hop, allez, et c'est l'épée dans la gorge. Gêne est à nous. Pillez. Eh oui, parce que moi je suis comme ça. Je sais pas si je l'ai encore cette mission d'ailleurs, de piller comme ça. Ah, c'est là. Ah si. Oh putain, j'en ai fait 7. Ils vont me donner plein de thunes après. Capturé. Gêne est à nous. Par contre, gêne est à nous, mais gêne, il faut réparer. Parce que c'est un peu la galère. Ok, les amis, bon. Marseille, il y a un petit peu beaucoup de monde, par contre. Donc on va attendre d'avoir une meilleure, meilleure armée. Par contre, là, on va avancer sur eux. Hein. Avancer sur eux, parce qu'il y a un moment... Faut arrêter les conneries. Ou pas. On va faire demi-tour. Parce que j'ai une putain d'armée de merde ici. J'avais pas vu que mon armée était pourrie. Donc on va repousser par là. Et on va changer notre armée. Parce qu'elle est vraiment naze en fait.
Ouais. Elle est vraiment naze. Qu'est-ce que tu peux ici, mon ami? Tu vas me virer ça, là, qui sont des trucs de merde. Oui. Pourquoi tu peux pas recruter des armées? Oh, putain! Parce qu'il n'y a pas de truc pour recruter des armées, ici. On va remonter sur Bikrat, qui, je pense... Même pas. J'ai pas beaucoup de choses pour lever des armées, par contre. Je me rends compte que là, au niveau de... Au niveau du sud, là... On n'a pas grand-chose, hein, les amis. On n'a vraiment pas grand-chose. On va détruire ce truc-là et on va se construire quelque chose. Ça, ça va donner plus de nourriture, donc on va le construire. J'ai quelques soucis de... Voilà, c'est ça. C'est que là, j'ai pas été très intelligent. Quoique si, ici, c'est plutôt pas mal. On va le faire revenir sur Bibracte. D'accord, ça marche, Codstaff. Ben, on va aller voir ça après. Pour la prochaine bataille. On va laisser passer le temps. Les points de fer. Cette version d'une traduction non assignée. Les points de fer. Est-ce que tu connais les points de fer? Ça c'est quoi? Plus une barricade, plus une boule de feu, plus un lit de pierre coupante. Plus un mur de pique. Hein. Mais c'est quoi ce truc de fou? Voilà, ça c'est nickel. Parce que ça va être vraiment notre force d'assaut celle-là. Donc on n'a pas intérêt à lésiner sur les moyens. Il nous faut du monde et du monde fort. Eh bien, dis donc. Ça fait longtemps que j'avais pas joué à Rome. Ça fait plaisir. J'adore, je kiffe ce jeu. Et je vois que vous kiffez aussi. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est que vous kiffez aussi. Et vous allez voir après le deuxième live. Oula, tu vas certainement te détendre, toi. Le deuxième live sur... ils vont se ramener, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir déplacer mon armée. Et leur prendre Marseille. Vous allez voir que le deuxième live sur Wildstar va être vraiment pas mal aussi. Wildstar envoie du lourd, les amis. Envoie du pâté. Envoie tout ce qu'il faut, quoi. Et c'est ça qui est cool. Bon, il n'a pas besoin d'avoir un super PC, hein, Manuclean. Mais ils font quoi, là? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces cons? On va demander de l'aide à nos alliés aussi. C'est vrai que j'y pense rarement de faire ça et je pense que c'est assez utile. Ah, te plains pas. Ah, les Macs, c'est bien, mais c'est vrai que pour les jeux, c'est pas fait pour. Hein. C'est pas codé que pour, quoi, c'est ça surtout. Oh la vache! Ah putain, j'ai des ennemis qui viennent de partout pour niquer mes ennemis blessés. Allez, ah merde, blessés, fuck! Cause naturelle, fuck! Fuck! Putain, mais ils me cassent les burnes, ils m'ont tout pété, ces cons! Lequel est meilleur? Ah lui est meilleur. Putain! Ces enfoirés, les amis! Bah ouais, je sais, mais du coup, t'as tout pété, quoi. Allez, tu vas revenir là, s'il te plaît. N'y a-t-il rien d'autre ? Pourquoi il peut pas recruter d'armée, lui ? Ah, mais non, c'est parce que je suis en mode... putain, je suis con, en mode marche forcée. Je risque pas de faire quelque chose, hein. Oh, mais quel boulet. Toi, on va te changer après en charpentier. Ouais. Parce qu'on aura des onagres. Après, des onagres, ça envoyait du lourd. Envoyait des gros cailloux dans ta gueule. Envoyait cailloux dans ta gueule. Oh, viking, envoyait cailloux. Allez, ça, c'est une... Il n'y a pas une grosse frappe. Est-ce qu'on peut... On peut rien faire du tout, ici. Bon, là, vous allez vous faire attaquer, Agen. Hein, ça, c'est sûr. On peut pas louper. Hein, moins 4 de nourriture et moins 4 de... Ben, on peut y aller. Et ça... Faire ça. Ça pourra plus de nourriture. Voilà, on construit, on y va. Nous sommes des gens, on n'a pas que ça à faire, on construit. Pas que ça à branler non plus. Hein. Alors ce qui est dommage, au niveau... parce que Rome, bah, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On va dire que les... Ah bah ça y est, le compteur du site a bugué pour moi. Les Romains et les Grecs ont de nombreuses unités, assez fortes en plus. Et par contre, c'est vrai que tout ce qui est celte et tout ça n'ont pas de super...
super unités, quoi. Elles sont pas nombreuses, c'est ça qui est dommage. Oh putain, ils font quoi, eux? Ok, donc je pense que eux, ils ont vraiment cru que c'était la fête du slip. Donc on va les détendre. Hein, vous allez voir. Mais on va bien les détendre en plus, hein, parce que... Ah mais de toute façon ils se vengent, hein. Ça c'était sûr. Sauf que là ils ont fait une connerie. On va demander de l'aide à nos alliés. On va voir s'ils vont nous servir à quelque chose pour une fois. Pareil au commandant. Chantage. Ouais bah vas-y hein. Je m'en fous. Alors, tu manges quoi? Surtout quand ils sont gros les Macs en fait, comme le Big Mac. La blague. La blague du moment. Si toi aussi t'as kiffé la blague, tape le 1. Si t'as pas kiffé la blague, tape le 2. Oui, donc lui du coup, c'est logique. Oui bah va vite là, s'il te plaît. Tu peux... Putain, c'est de la merde. Tape le 2, tape le 1, du coup vous le faites. Oui, c'est vrai que j'ai une flotte. Mais c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment on a beaucoup trop de choses et moi je joue à l'arrache. J'ai une autre armée aussi ici qui peut recruter des unités. Qui peut recruter des unités et elle va nous aider. Comme ça on va pouvoir passer en fait par le sud. Voilà. 7. Il a tapé 7. 7, c'est aussi un chiffre honorable. Hein. Putain, je sens que ça va être la guerre là dans quelques tours, les amis. Je le sens pas, mais je le sens pas du tout. Mais pas du tout, tu vois. Je vis pour servir le peuple des Tétons. Ok, on va laisser là parce que. Prêt pour la bataille. Prêt pour la bataille. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc. En effet, il y a un gros problème hein, sur le truc. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous sommes 8 rien que sur le... Ih, ma gueule. Non, me dis pas qu'ils me prennent en embuscade. Non. Alors là, ça va être de la guerre, de la vraie. Donc on va lancer la seule, l'unique. C'est parti. Là, ça va être la guerre. Le peuple des tétons. Mais j'ai tout à fait dit ça. What the motherfucking fuck? Non, c'est normal. C'est normal. Tout simplement parce que, si vous ne le savez pas, je vous le dis, les Gaulois, les Bretons avant, s'appelaient les Teutons. Les Teutons, c'est comme ça, c'est les Nordiques s'appelaient les Teutons, donc moi je les appelle les Tétons. Surtout qu'en plus, au début de notre campagne, nous n'avions pas de fortes armées. Et du coup... ouais, heureusement que j'ai l'artillerie. Et du coup, souvent, eh ben c'est pour ça que je les appelle les Teutons. Et en plus, ils étaient les Tétons nus au début de la campagne. Oui, ben oui, mais tout à fait, je sais que je le dis. Le peuple des Tétons. Alors, ce qu'on va faire, les amis... On va faire un petit truc. Vous allez voir, on va faire une défense que j'ai jamais faite. Et j'ai lu ça dans le jeu, en fait, tout simplement. Une défense en V. Alors, je sais pas ce que ça peut donner. On va tenter. Vous allez voir. Comme ça, en fait, s'ils viennent au milieu, eh ben, je peux me resserrer sur eux. Tout simplement. Je sais pas ce que ça donne. Hein. On va tenter. Ouch, aïe. Oh, excusez-moi. Oh, excusez-moi, je vous ai pété les oreilles. Je suis désolé. Avec ma grosse voix, là.
Je suis vraiment désolé, c'était pas voulu. Alors attendez, on va la refaire bien parce que là elle est pas vraiment en V. Faut juste pas qu'il passe derrière par contre. Unité de Bretter. Fils du chêne. Ah ouch, ah d'accord, j'ai cru. Mais ça envoie du lourd hein, une HD 2400 mon gars. Tu fais tourner BF4 et Planet Side 2 en même temps en ultra. C'est pas sympa ce que je viens de dire. On va essayer cette méthode de défense. Ou alors, parce que là le problème c'est que si nous contournent on est mort. Toton, c'est dégueulasse. Non bah du coup on va pas faire cette défense parce que je me rends compte que je sais pas sûr de ce que ça va donner. Donc on va se mettre au milieu déjà pour éviter leur putain de défense, leur putain d'attaque qu'ils pourraient mettre dans la forêt. Donc on va protéger surtout. Voilà, on va bien le préparer le truc. On va bien le préparer les amis. Jamais ils ne passeront. C'est moi que je te le dis. Vous ne reculez pas. Par contre, il va falloir que j'arrive à caler ça. Ok, vous ne pouvez pas reculer. Allez, mon général au milieu. La défense comme elle se doit. Un vrai mur de bouclier digne de ce nom. Parce que vous êtes des hommes. C'est vrai. Du coup, ça réduit complètement ma défense. Fier fils de Bretagne, prêt à tout pour défendre. Me revoilà, salut Skeletor. Re à toi. Allez, vous êtes prêts, ma gueule? Défendez-vous au périple de votre vie. Au périple, au péril, je voulais dire, pas au périple, excusez-moi. Oh, excusez-moi la faute. Mais là, ça va être la guerre, là, après. Regardez tout ce qu'il y a. Je le sens vraiment pas. Qu'est-ce qu'il y a en face? C'est très lourd. Des lourds. Des très lourds. Infanterie de mêlée lourde. Infanterie de mêlée lourde. Oh. Ouais, mais justement, je suis loin des forêts. J'ai fait exprès. Regardez, il n'y a aucune forêt autour de moi. La seule forêt qu'il va voir, c'est dans leur slip. Regardez comme ils sont beaux, comme ils sont swag. Nous sommes prêts à tout pour leur défoncer le cul. Allez, on augmente le moral. Parce que nous sommes des hommes, des vrais. Non, t'inquiète. Il est un petit peu con le... On va l'avancer d'ailleurs. Il est un petit peu con des fois le... Je sais bien, mais... Ça tire de loin, cette connerie, hein. Ils vont vite se faire asmater, hein. Vous allez voir. Ouais, ça fait un peu chier quand même, vous avez raison. J'ai le temps de manœuvrer, on va en profiter. Ouais, ouais. Je vais décaler la défense. Non. Attends, j'enlève toutes les formations de boucliers avant. Excusez-moi, du coup, je refais tout. C'est chiant parce que du coup, on voit pas trop où ils vont les... Allez, 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 allez. En mode normal, ça sera encore mieux. On peut gagner, les amis, je vous le dis, on peut vraiment gagner. J'ai déjà fait des batailles qui étaient un peu moins certaines que celle-là.
liquide. Ouais, c'est vrai que ça s'arrête pas de tirer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Très bonne idée, merci à toi, sa fonceur. Par contre, j'ai oublié de mettre les défenses de bouclier là. J'espère que ça va le faire, les amis. Eux aussi ont des. Ah non. Ok, ils y sont presque. Ok, tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon, s'il vous plaît. C'est bon, allez, on bouge. Tenez bon! Par contre, on va leur dire d'arrêter de tirer parce que sinon ça va tirer sur mes. Tenez bon! Brave soldat, tenez bon! Pourquoi? Parce que vous êtes brave. Pourquoi? Parce que vous êtes des vrais soldats. Allez, rechargez plus vite! Tenez bon, tenez bon! Eux, je les sens juste pas, par contre, ces enculés. Bon, c'est bon, ça fait demi-tour. Plus de morale! Je sais qu'ils vont essayer de m'encercler. Fuck that fit, bad fucker! Recule, général! Mais moi, général, faut qu'il reste quand même. Allez, tenez bon. Vous allez voir, ça va tenir, les amis. Vous savez pourquoi? On va jouer de notre général. Tac. Putain, ces abrutis, ils ont pas bougé. Tirer là-dessus. Et utiliser un truc pour leur casser le moral. Et bien comme il faut, si tu vois ce que je veux dire. Utilisez les flammes. Feu. Utilisez ces putains de flammes. Déchaînez l'enfer. On va gagner, les amis, vous allez voir. On va la gagner, celle-là. Je la sens bien. Ok, général, tu vas servir à quelque chose. Allez, plus vite, mon général. Qui est le patron? Charge frénétique maintenant! Parfait. Alors j'ai lu une chose aussi, ça fatigue la cavalerie, mais c'est une très bonne chose, c'est vous reculez votre cavalerie. Et tu recharges, et tu recules, et tu recharges. Et là, ça fout un dawa, mais monstre. Les hommes sont hésitants. Non ! Allez les aider. On maintient la position. Nous, mon général. Vous allez voir ce qu'ils vont prendre dans l'anus. Tirez là-dessus, là.
J'ai peut-être plus de munitions, vous me direz. Le général ennemi est mort. Parfait. Allez, venez sur le côté, vite. Vite. Et on leur explique un petit peu la loi quand même. Hein. Je voudrais pas dire, mais... Je sais qu'ils tiennent eux. Est mort. Alors, c'est qui le patron? Allez, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Parfait, reculez. Et vous allez aider vos frères. Fuck that shit, ils nous ont suivis. Merde. Ah merde. Ah, tu peux leur dire d'attaquer une zone, je sais même pas. Bon bah c'est trop tard. Oh putain, elle est partie. Allez, reviens là, on va remonter le moral. Je m'en fous, on leur a cassé le plus gros de leur armée. C'est ce qu'il fallait, les amis. Allez, charge dans le dos! Nos hommes fuient le champ de bataille. Mais quelle honte! Ah, ils nous ont bouffé, les amis. Mais je leur ai cassé quand même une bonne partie de leur armée. Allez, tout le monde fuit, tout le monde fuit, tout le monde fuit, tout le monde fuit. On essaye de perdre le moins de gens possible. C'est tout simplement ma première défaite. C'est pas grave. C'est pas grave. Putain, mais c'est... Défense de justesse. Défaite de justesse. Regardez, regardez, regardez. Il faut analyser. 1320. 1320 de déployé de ma part. 3090 en face, mais... C'est n'importe quoi. Mais je leur ai bouffé quand même une bonne partie de leur armée. C'est-à-dire la moitié. C'est pas mal. Tout à fait. Alors, je leur ai demandé de rajouter ça dans le jeu. De pouvoir, en fait, tout simplement montrer les tétons. Mais malheureusement, souvent, ils ne veulent pas. C'est dommage parce que je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Hein. Montrer les tétons, je pense que ça peut faire quelque chose. Je suis pas sûr à 100%, mais ça pourrait faire quelque chose. Allez, recule, mon cher ami. J'ai tué un de ces généraux, quand même. Non, non, mais lâche-moi. Il y a un moment, faut que tu me lâches. Bon, on va pas la faire, hein, parce que de toute façon, je sais qu'on va perdre. Allez. Merde. Bon, et eh bien voilà, les amis. Nous avons perdu un de nos généraux. C'est une défaite. Tu ne peux qu'être motivé. Ouais, ouais, ça dépend les tétons d'acquis, hein. Ok, donc là, les Gaulois, ils se sont dit, ils commencent à nous faire chier, les Bretons, là. Ils font un petit peu trop leur malin. Putain, mais j'avais pas vu qu'ils avaient pris Vélatry et tout ça. Les Romains, en fait, il y a que dalle dans cette partie, quoi. Non, mais c'est pas une armée qui se ramène sur ma gueule, là. C'est toute la famille.
Oh putain, mais ils savent pas ce qu'ils font par contre. Ça va être la guerre aussi avec eux, je pense. Les Espagnols sont vraiment vénères. Faut que j'aille demander de l'aide à mes alliés. Ils sont là pour ça. Putain, à chaque fois j'oublie. On va essayer de le faire. Ce sera plutôt pas mal. Je vais en demander de l'aide. Au plus vite. C'est le seul d'Anemosos. Ah, mais ça doit être pour ça qu'ils sont tous venus. Bien oui, je n'y avais pas pensé. Tu as raison. C'est les soldes. À vous de juger, qu'est-ce que tu nous as envoyé Putain, mais il est con. Putain, mais t'es sérieux. Putain, il est parti nous faire un truc à l'arrache. Putain, mais il y a des trucs de partout là. N'importe quoi, allez voir le lien de Manuclean. Il m'a tué. N'importe quoi. Ok, donc là tu peux avoir que de la merde. Je sais que ça coûte cher les... On a tellement d'argent à plus savoir quoi en foutre que... On va s'en servir. Baliste géante. Ça, je veux bien. Il faut qu'on arrive à... Du coup, on a une armée là, mais je peux pas l'enlever parce qu'on va se faire attaquer sinon. Est-ce qu'on peut lever une force? On va lever de nouvelles armées. Ah, j'ai plus trop d'argent, hein. Ça va être la guerre. Oui, j'ai une petite armée à Brest, mais elle est en train de recruter, donc je peux pas la faire déplacer, en fait, tout simplement. Ah putain, j'ai oublié de demander à mes alliés encore, mais quel con. Rejoindre la guerre contre les Arnarts. Ils sont loin, vas-y si tu veux. Sauf que j'aurais dû demander de l'aide à mes alliés, j'ai encore oublié les amis, j'ai encore oublié. Ok, ça va être la guerre. Bon! Eh bien celle-là on la défend. Attendez, j'ai vu un truc là. Fight for glory. Allez, celle-là, on va essayer de la défendre. J'ai pas dit qu'on allait y arriver. Hein. Les lames de... J'ai pas vu. Powaponga. Tout à fait, Kostov. J'ai fait commencer, putain, mais je suis con. Vous savez pourquoi je fais commencer? Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Tout simplement parce que je me fais avoir. Ah, mais quel con, j'ai recommencé la bêtise. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient le centre? Il y a moyen, on est en hauteur. Ah, mais c'est de cette ville-là! On la maintient. Ouais, par contre, j'ai beaucoup de cavalerie. Et s'il y a des engins de siège, tout à fait. Ok. Bon, c'est vous qui allez maintenir. C'est vous, les petits mercenaires, là, qui allez faire votre taf. C'est ici que vous allez maintenir. Et vous avez intérêt à bien la maintenir, celle-là, ok? Ensuite, ils peuvent attaquer que de deux côtés. Celui-ci et l'autre. Donc. On va essayer de maintenir ça. J'ai beaucoup de cavalerie, tout à fait, je suis d'accord. Beaucoup de cavalerie qu'on va essayer de poster au milieu. Je sais même pas si elle rentre tellement j'en ai. Ouais, deux branlées de suite là, ça fait pas du bien. Ah bah ils ont décidé d'attaquer hein. Je dirais ils ont raison hein. Des frondeurs en plus. Un truc super inutile les frondeurs, hein. Ça fait rien du tout. À part que ça tire loin mais ça jette des cailloux donc... Allez,
Vous suivez les ordres que je vous ai donnés. Et plus vite que ça. Les renforts ennemis sont en approche. Voilà, le problème c'est qu'à mon avis ils vont attaquer de partout. Ils ont des renforts de partout, les amis. Plus on est de fous, plus on rit. C'est pas faux. C'est pas faux, mon ami. Je suis d'accord avec toi. Putain, mais vous avez vraiment des bonnes idées, les gars. Moi, des fois, j'ai des idées de merde. Allez, viens là. Viens là, la cavalerie. T'as raison, parce que comme ça, j'aurai juste à la sortir au bon moment, juste quand il faut. On laisse juste le général, quand même. Qui sera là pour remonter un petit peu le moral des troupes. Ok, donc là, c'est la première vague qui va être absolument pourrie. Qu'est-ce qu'ils ont en face ? Ils ont des gros onagres. Ils en ont d'autres ici. My god. Allez, mon général. Allez, ma cavalerie. Fais-toi plaisir. Marche-leur dessus. Prends-les pour de la merde. Au écran de bouclier maintenant. Voilà. Ça, ce sont des vrais tétons nus, même quand il neige. Ils sont toujours prêts à se défendre. Par contre, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est de interdire à mes... de reculer. On ne recule jamais devant l'affrontement. Ok, bitches. Allez, jetez vos cailloux, ils vont peut-être faire un peu de taf. Tenez bon! Ok, ma cavalerie va se faire plaisir, je pense. Ça s'appelle des nudistes. Non. Tout à fait. J'ai le téton qui descend. Allez. J'espère juste que ça va tenir là-bas. Il faut que ça tienne de toute façon. Il n'y a pas de raison, ça doit tenir. Vous n'avez pas le droit de mourir. En attendant, j'ai pété la gueule à vos artilleries de merde. Bande d'enculés. Vous voulez faire les malins? On va faire les malins. Allez-y, vous. Entrée légère, faites-vous plaisir. En plus, je peux les attaquer derrière. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Mais non, 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 mais je pense pas qu'ils vont attaquer tous du même côté. Quoique, ils sont capables, ces abrutis. Regardez ce que je vais faire. Ça va être une grosse blague. Ça va être la blague du siècle. Ennemi est mort. Le général ennemi est mort. T'as entendu ça, ma gueule? Le général ennemi, il est mort. Alors il va plus faire quoi maintenant, général ennemi? Que dalle. À part se toucher la nouille quand il mourra. Ce que je vais faire, c'est qu'on va utiliser notre cavalerie, les amis. Pour tout simplement... Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, elle n'a pas le temps de faire le tour, ou peut-être que si. Vous allez voir. Vous allez voir. On va faire un truc de fou. Ah, mais j'ai mis les infanteries de mêlée, en fait, qui sont très fortes. Et du coup... Ah oui, déjà. Parce qu'il est tellement con qu'il a envoyé son propre... Général. Bon, il en reste encore beaucoup des unités. Mais comme je vais les attaquer dans le dos, ils vont rien faire. C'est pour ça que je vous dis que le village, on va le tenir. Et bien comme il faut. Tu vas faire quoi, toi? Tu vas rien faire. Tu vas juste te faire charger dessus. Enthousiaste, t'es en train de descendre, hein. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Chargé.
Oui, ça pullule, mais tu vas voir, ça pullule, tu vas voir ce qui va se passer avec leurs armées. On va attendre qu'ils viennent s'amasser comme des abrutis sur notre... Au revoir! Tout dans le dos. Tout dans le cul. Ah, vous voyez, ils veulent faire le tour. J'ai bien fait de mettre une autre armée ici. Ils arrivent pas à leur tirer dessus, là. Je sais pas, est-ce qu'ils ont besoin d'avancer? Nickel. Tirez-leur dessus, là. Envoyez-leur des cailloux dans la gueule. Ah, contact dedans. C'est ça. Ça a bien marché, le contact. Voilà, contact, y a plus rien. Voilà. Et ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu vois? C'est maintenant, ma gueule. C'est maintenant que tu charges. C'est maintenant que t'as pas le temps de dire non. Charger. Allez-y! Faites-vous plaisir. Non, il n'y a pas d'archer chez les Bretons. C'est pour ça qu'en fait, c'est assez compliqué de les gérer au début. Parce qu'ils n'ont pas une super, super armée. Vous allez voir ce que je vais faire. Tu connais la plancouille de la salope? Bah, moi, je la connais. C'est ça. C'est la cavalerie dans le dos qui te charge juste quand il faut. Putain, plus vite aussi, non? Putain, il les a tous tués. Les hommes sont hésitants. Ah bah oui, je pense bien qu'ils sont hésitants. Cavalier vétéran, qui est tué? Cavalier, tué, tué, tué. Mais ils font quoi, eux? Mais ils font quoi, ces cons de... Putain de connard de débile. Plus vite! Plus vite! Plus vite, s'il vous plaît! Plus vite! Plus vite, vous allez vous faire intercepter! Plus vite! Putain, mais je crois pas. Si, non, c'est le lien, Ta 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 ta. Non, 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 vous reculez. Vous reculez tout de suite! Voilà, et vous vous maintenez. Il tire là-dessus. Tu vas voir si tu tires là-dessus. C'est la charge de la cava. De la cavalerie, de la cavalerie. Allez, tu recules. J'attends qu'ils viennent s'amasser ici. Et là, c'est la charge frénétique. Mais vous avez pas vu qu'il en restait un en fait là? Bande d'abrutis. Vous allez voir dans le dos ce que ça va faire. Tac. Allez, ça c'est fait, tu dégages. Allez, je vais vous venir lire. Eh oui, en formation parfaite même, je dirais. Ok, vous êtes prêts? C'est maintenant. Charge! C'est la charge de la cavalerie de la vraie, de l'unique. Passion.
Allez, chargez dans le tas! Ça, c'est ça qui m'énerve, c'est que dans les villes, après, ils chargent pas du tout. Ils chargent pas, en fait. Ok, tenez bon. On va sacrifier les frondeurs, les amis. Et vous allez venir en soutien juste derrière, là, parce que... Plus vite. C'est un peu mal codé par contre à ce niveau-là. C'est-à-dire que des fois dans les villes, les gars ils ont un petit peu. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ils sont un petit peu foirés, c'est-à-dire qu'en fait il y a certains bugs. Ils ont du mal à se déplacer les unités. Ouais, ils étaient tous du mauvais côté. Ouais, t'avais raison, ça français. Je pensais qu'ils. Bah voilà, on a gagné. Je sais pas pourquoi on a gagné. Victoire héroïque. Ouais, merci Manuclin, hein. Tu m'as bien aidé. Tu recules. Du coup, toutes leurs armées vont reculer parce que je les ai mis en déroute. Ah, c'est pas toi? C'est Piki qui m'avait dit ça, alors je sais plus. Tournée générale. C'est qui le patron? C'est Bibi. Yop là. Quoi, traité de paix? Moi, je sais pas. Attends, tu vas me donner des sous si tu veux un traité de paix, ok? Eh oui, mon ami, c'est pas gratuit les traités de paix. Tu m'as donné 1000 balles, c'est bien. Le mec, je viens de le racketter, quoi. Jackie et Michel. Les gars, franchement, si vous regardez ça, c'est pas bien. Vous croyez vraiment que je connais pas? Non, mais merci, quoi. Je crois qu'elle connaît parce qu'il y a un pote à nous qui nous en avait parlé. Et je crois qu'elle connaît, donc si. Je confirme. Non, sérieux. Ouah, le mec. N'importe quoi. C'est dégueulasse. Allez, on va aller les repousser. Il n'y a pas de meilleure fin que la mort dans la bataille. Avec une vraie armée, digne de ce nom. Ok, Gênes, il continue à construire. Ici aussi. Ça va le faire, les amis, on va y arriver, vous allez voir. Gloire à la mer. Comment ? Je sais pas pourquoi il dit gloire à la mer. Il l'a mis à l'envers, il a mis une veste. Ouais, parce que ça le fait pas trop, quand même. Ok, oui, ils vont essayer de me prendre cette ville. On va déplacer eux, du coup. Vous aviez raison. Surtout que je crois que c'est une bonne... C'est une bonne armée. Moi, j'habite dans le 95. Dans le Val d'Oise, à côté de Roissy. Hein, de l'aéroport Charles de Gaulle, que vous connaissez certainement. Oula, par contre, ça, on va... Merde, on va abandonner tout de suite, là, parce que c'est une bêtise. Oui, je veux les détruire. On va faire ça tout de suite. Moins 10, non. Treverum. C'est où? Ah, c'est là. Ils sont à plus 7. Et j'ai 39 de nourriture, les amis. Je crois que je le dis dans chaque vidéo. Non, je le dis.
Putain, elle a cherché sur... Putain. Il a été cherché, hein. Ah, il voulait savoir ce que c'était, il se renseigne. Il se cultive. Barbanos. C'est qui Barbanos? Moi je sais pas qui c'est Barbanos aussi, vous êtes mignon. Ah c'est lui Barbanos. En essayant de tuer quelqu'un comme lui qui fout le bordel. Putain j'ai plus d'argent, fuck. C'est les voisins. 16 Molissiens ont dit... On devait faire une sorte de réunion et à un moment ils ont parlé de cerise, moi je croyais que c'était... Que c'était la pub. Ils se sont bien foutus de ma gueule. Ah putain. Nous ne mendions pas de l'or. Ça marche. Un accord commercial, je veux bien. Et j'ai toujours pas demandé mes... À mes alliés, mais tout à fait sa franceur, t'as raison en plus, c'est ce que j'étais en train de me dire, tu vois. Ben oui, Cold Staff, c'est un truc de boule. Shaki et Michel. Putain, vous êtes con, sérieux. Vous avez pas honte d'aller voir ça. C'est n'importe quoi. C'est un club de pétanque. Shaki et Michel, le nouveau club de pétanque dans le Val d'Oise. Putain, il est con, celui-là. N'importe quoi les gars. Franchement vous avez pas honte hein. Je sais pas si vous voyez bien encore sur la... Ah ça va. Et dans les vidéos ils disent merci qui? Ok ils sont mis en mode défense. On va vite les jarter d'ici parce qu'ils ont cru qu'ils étaient chez eux. Vous allez voir, on va vite les calmer. En recrutant plus de soldats. Pour la tribu bretonne, pour la confédération bretonne. Super, bah merci à toi, Code Staff. J'espère te revoir dans les prochains lives. Mes alliés! Oh putain, sa franceur! Je suis con, c'est pas possible. Ouais, Code Staff, bah j'espère te voir dans les prochains lives. C'était vraiment super. À plus. Merci à toi. Merci à toi pour ce petit live qui était bien sympa. On a bien rigolé, c'est vrai. Et fais de beaux rêves, mon ami. Je te jure, Todon, vas-y, fais-le. Allié, je vais l'avoir dans la tête, du coup c'est bon, après je vais le faire. C'est pas possible. Quelle heure est-il? Ouais, je vais le faire dès que le... Putain, déjà 22h les amis, c'est bon, mes alliés. On va aller chercher, renversement, mission envoyée, il faut que je recrute un espion. Allié, s'il vous plaît mes alliés, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez venir taper un petit peu sur eux? Voilà. Visez ça. J'ai envie qu'on prenne Massalia, s'il vous plaît. Qu'on aille leur péter la gueule un petit peu. On va voir s'ils vont répondre. D'ailleurs, en parlant de t-shirt, les amis. Avec mon logo et le logo de la TGS, j'avais commencé à aller sur Spreadshirt et me faire un t-shirt que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque je l'ai là. Je vous propose d'aller le voir. Merde, du coup j'ai tout mis en bas comme un con. Ça c'est le t-shirt que j'ai fait avec le logo. Excusez-moi, avec le logo de Desan et que j'ai bien envie de me faire pour les lives, pour tout ça. C'est vraiment bien sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai un gros problème par contre. Ouais, on va changer. Ouais, dégage. Ça m'étonne pas de moi. Ça t'étonne pas de moi, pardon. Bah quoi? Écoute. On a un très bon...
un très bon graphiste qui m'a fait ça, et ben moi j'hésite pas. Voilà. Oui, on les aura. Putain, le mec, il est fort lui. Ma réputation parle pour elle-même. Putain, lui il est vraiment chaud ce con. OK, bon. Je suis le... sans armes. Un homme n'est rien. J'ai trop d'argent, je sais pas quoi en faire. Bah oui, ça fait plaisir, Tsuna, attends. Et je mettrai même ton petit logo. Ouais, c'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez bien sur le lien? J'ai pas fait gaffe. Alors au début, je crois qu'il est blanc, là, sur le truc. Mais j'aurais bien voulu le faire... Oui, en plus, c'est sur un t-shirt, là. J'aurais bien voulu me le faire sur un polo noir, en fait. Ah mais c'est ça, c'est un polo blanc que j'ai pris. Mais j'aurais bien voulu me le faire sur un polo noir. Wouah! Sur une tasse aussi, ouais, sur une tasse c'est pas mal aussi je trouve. Sur une tasse, bah c'est de l'imprimé, c'est sûr, ça va pas être du... Ça les amis, c'est quoi ça? Ah merde, j'ai laissé mes unités là-haut. Non mais c'est bon. Bah super, bon bah on va la faire comme ça parce que bon, 30. Qui se battent. Et recule maintenant. Ah bah non! Oh putain. Ils vont attaquer Nantes, ces cons d'espagnols. Oui, les lives, mais en fait, je voulais pas me servir que de ça pour les lives. Oui, ou sinon le logo de la TGS, j'avais pensé aussi le mettre sur le côté du bras, je sais pas si vous voyez. Sur le côté là, peut-être, ici, je sais pas, à voir. Sur mes bras saillants. Ah putain, mais putain, il y a des trucs partout là. Dégage, message d'événement, tu m'as saoulé. Ok, j'ai besoin d'aide là. T'as intérêt, ouais. Allez, essaye de lui mettre une petite assassinat dans la gorge. Allez, faut que ça passe. Ennemi assassiné! Ça y est, enfin, putain. Gloire à la mer. Comment puis-je voir? Je nourrirai la... Dégagez, bande d'enfoirés. Ennemi blessé, super, comme ça ils me feront plus chier. Plus d'ordre public, ça je veux, parce que l'ordre public, j'ai un petit souci. Détends-toi là. Oui, non, mais merci, je suis pas non plus Mami Nova, hein. Je vis pour servir. Veillez aux défenses. Il y a intérêt, oui. Prêt pour la bataille. Ils me font chier avec leur... Ah, il fallait que je recrute un espion. Espion. Recruter. Gloire à la mer. Comment puisse-je vous Et en plus, il a un petit truc. Plus de ruse, c'est bien pour un espion. Alors, attends. Moins 5 de nourriture, je peux le faire, on le fait. Baliste bretonne, ça je veux. Pour plus d'attaque. Tricot, mémé, viens s'il te plaît. Mais pas toi, Spreadshirt. Non mais j'avais deviné, merci. Hein, Putain, merde, c'est qui eux? Ma réputation parle pour elle-même. Oh putain! Pas mal ça. Je suis bientôt arrivé à cette petite recherche. On pourra avoir les. Putain, Pisico, c'est qui Pisico? Moi je le connais pas aussi. Il est mignon lui. C'est qui Pisico? C'est lui Pisico? C'est lui Pisico. Il a un autre truc encore. Le serpent, la manipulation, ça c'est bien. Mais ouais, c'est pas donné en plus, hein. Ah, mes alliés, je les ai faits, ça, François. T'inquiète pas, je leur ai demandé d'attaquer Marseille. On va voir s'ils vont réagir. Je ne sais pas. Oula, ça se déplace. Les Bretons,
Les Gaulois avancent. Ils vont vouloir venir me titiller un petit peu. Ouais, mais c'est LE logo. C'est vrai. Et vous allez voir, quand le site sera fini, qu'Alexis aura fini le site, la V2 du site, vous allez voir, vous allez kiffer. Vous allez kiffer, franchement, vous allez kiffer. Non, franchement, ça va être vraiment sympa. Il a déjà commencé, bien commencé ce qu'il faut, et quand ça sera presque fini... Non, faut pas faire tous les tours. Non. T'as juste à demander, il y en a un qui te répond, et après ils attaquent. Enfin, vous voyez, ils avancent. Ce sont les Germains qui viennent. Mais tu l'as fait comment, l'impression? J'étais en train de dire un truc, je sais plus. Oui, je balancerai quand ça sera presque fini le site. Je balancerai la maquette. Comme ça, vous serez au courant. Putain, mais c'est vraiment une quéquette, lui. Non, j'ai jamais fait du flocage. C'est ça, on appelle ça du flocage. J'ai jamais fait, non. On va essayer de les bloquer. Nous avons trouvé un abri. Aux fortifications ! On va lever une autre armée. Je lève pas assez d'armées là, je peux y aller, j'ai beaucoup d'argent, il faut que je le fasse. On va lever une flotte aussi. Et d'ailleurs, on va transformer ça en flotte, en meilleure flotte. Voilà. Voilà. Ah, je te fais un truc, moi. Allez hop, direct. Direct, on se prend pas la touffe. Ok, ils sont bien là, ils sont bien terminés. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais tu commandes où? Avec quoi? Je l'imprime sur une feuille de papier, avec un fer à repasser, je le colle? Bah non. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Faut que ça donne quelque chose. Et ça sachait tout. Putain, mais lui, il passe comme ça, quoi. D'accord. Je vais voir ça. C'est vrai que ça peut être aussi bien. Hein. Bon, après, c'est pas très très grand par contre. Rien à dire, il faut lire la notice. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est pas con non plus, hein. Putain, ennemi blessé, ennemi machin, ennemi truc, moi je suis perdu à force, hein. Ouais, et bah mets-toi en mode fort. Fort, très très fort. Bon, je commence à avoir pas mal d'armées là. On a relevé des bonnes armées. On peut faire d'ailleurs de nouvelles. Code guerrier exercice de guerre. Ça serait pas mal ça. Coûte moins cher comme ça les soldats après. On va bientôt les attaquer, les Espagnols, vous allez voir. Tour de siège, tout à fait, on a les tours de siège maintenant, c'est bon.
toi tu recrutes encore. Et les Romains, ils en sont où là? Me dites pas que Rome n'existe plus. Parce que c'est pas marrant sinon. Hein. On va envoyer un émissaire là-bas, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Un dignitaire. Bienvenue mon émissaire. Eh bah tu vas aller là-bas, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à Rome. Si tu le veux bien. D'accord? Tu iras voir ça après au prochain tour. Mais c'est vrai, t'as raison, Manucline. Hein. Après, ça sera, il faut bien le faire, quoi, la taille que tu veux et tout machin. Mais de toute façon, tu le fais avec un fer à repasser, c'est ça normalement. Ah voilà, je savais bien. Elles sont belles ces musiques. Allez, encore une vingtaine de minutes les amis, 22h08. Et après on se retrouvera sur Twitch pour la suite de notre aventure sur Wildstar. Et ça vous tente. Alors par contre, excusez-moi, ceux qui veulent voir du Wildstar, là ça sera plus du Wildstar où je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu et tout ça, et vraiment faire une découverte, voir le truc tout en avançant, mais découvrir ensemble un petit peu comment ça fonctionne, les arbres d'aptitude, etc. Donc si ça vous tente, le nouveau MMORPG là, de NCSoft, je pense que ça peut être plutôt sympa. Putain, ils font chier avec tous leurs trucs, là. Salut à toi, Super Thio! Bienvenue! Alors, est-ce que c'est toujours Rome? Non, Velatri appartient aux Gaulois. Ah, Wildstar, tu es ok? Bah, j'espère bien que tu es ok. Soyez... Soit ok ou pas, ça sera pareil. Hein. Du coup, il faudrait qu'on aille un petit peu foutre le bordel. Attends. Putain, 16%, je suis sûr qu'il va pas y arriver cet abruti. Ah si, ennemi blessé, j'ai réussi. Allez, tu vas prendre un point normalement. Même pas! Vas-y, c'est pourri. Ah, ça, c'est les traversées, je pense. Putain, il y a une petite ville en... C'est Ibiza, Ibozim. Là, c'est Gibraltar, bien sûr, hein, avec Tingis. Qui est Tanger, en fait, je crois, c'est ça. Pas de live jusqu'à la fin de la semaine DD, c'est-à-dire. J'ai pas compris. Là, moi, je fais mon live là. Il y en a un samedi, d'ailleurs, la part de Tom. Il faut absolument que je change le planning. Faites-y moi penser. Samedi soir, Tom en fait un. Alors, par contre, je ne sais pas sur quoi il m'a pas dit. Mais du coup, c'est lui qui prend le live samedi soir. Donc, samedi soir, gros live. Samedi soir, vous devez être normalement nombreux. Ça marche. S'il te dérange, il n'y a pas de souci. Un t-shirt comme ça. Fais voir ça, mon ami. De quoi me parles-tu? Putain, mais il est con, celui-là. Mais qu'est-ce que t'es con? Ah, t'as joué contre Rami sur TF2, mais c'est cool! Ah oui, d'ailleurs, c'est ça que... bien sûr, tous les deux, donc moi, ce que je lui disais de proposer à vous les viewers, à vous les abonnés, c'est tout simplement de faire de, donc vu qu'on a un TeamSpeak, vous pouvez venir mais totalement gratuitement sans se prendre la tête plus que ça, et bien c'est fait pour ça, donc venez pendant qu'on fait nos lives etc sur des jeux en multi comme TF2, Counter Strike, bah Planet Side vous connaissez déjà, mais je pense que voilà c'est sympa et venez faire les amis. Tu crois qu'ils voudraient? Moi, je pense pas qu'ils vont vouloir. On va tenter.
Parce qu'il m'aime bien quand même, très amical. On va essayer. Bon et noble ami, quel honneur nous faites-vous. Venez, parlez, que les esprits vous entendent. Bien, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas. Tu vois, ça se fait pas. Ça se fait pas trop, ils veulent pas. Ils sont amicales, mais sans plus. Ils font leur vie. Quel honneur nous faites-vous. Venez, je vais les acheter, parlez, eux. Que les esprits vous entendent. Non, on va les payer. Je vais les acheter, j'ai envie qu'ils... C'est toujours bas, d'accord. Quel que soit que je leur donne. Et j'ai pas beaucoup d'alliés, quand même. Hein. C'est ce qu'on... Mes alliés défensifs, mes alliés militaires. Il faudrait qu'ils deviennent mes alliés... Mes alliés alliés, eux. Hein. D'ailleurs, on va faire un petit peu de diplomatie. Hein. Nous avons du rôti de porc pour vous. Et aussi de la bière et de l'hydro... Du rôti de porc. J'adore ça. Pour nous honorer, il y a assez de nourriture pour les deux armées qui nous attendent. Oui, ils sont déjà avec moi. Il y a juste les deux, là, qui veulent pas... Pas faire une alliance militaire, bon toi. Ami, soyez le bien... Putain, ils veulent rien faire, ces cons. Vous parlez avec une profonde sagesse, mais votre offre est superficielle. Je ne peux accepter. Je connais ce qu'il... Non. Mais tu vas me dire ce que c'est ou qui c'est. Oh, putain. On peut pas les améliorer, hein. Non. Eux non plus. Non. Ok, alors quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Ouais, il est 13, on va pas avoir le temps de faire une grosse bataille. On continue comme ça d'amasser beaucoup d'argent. On va recruter plus d'armées ici. D'accord. Re, j'ai eu un bug. Ok, mouhaha, re à toi. Mouhaha. Saru, ils voudront bien. Non, Massilia n'est pas encore tombé. Massilia n'est pas encore tombé. Parce que parce qu'ils sont venus me titiller un petit peu. Ouh, ils se ramènent les Celtes là. Ils sont venus me titiller un petit peu. Donc du coup, bah, c'est un petit peu dur de gérer. Mais j'ai réussi à les repousser. Donc maintenant, plus qu'à attendre. Putain, mais cassez-vous avec vos espions, là. Ça, c'est un truc que je supporte pas, moi. On m'espionne. Tu vas voir ce que je fais à ceux qui m'espionnent. Petit con, moi. Je vais juste allumer la lumière, les amis. Et... Mon peuple souhaite vous offrir... Ah, vas-y, paye. Ça me dérange pas. Votre cœur pour la force d'une lame de fer pour prononcer des mots si sages. Excellent. Voilà, je préfère avoir un peu de lumière quand même. Yeah. Et Payday 2, tu connais? Bah oui, je l'ai. Je l'ai, mais on me l'avait donné. En fait, on me l'a offert. Donc, bon. Je l'ai, mais j'ai pas rejoué depuis, en fait. C'est dommage, parce que c'est un bon jeu, hein, mais j'ai pas rejoué du tout. Putain, ils m'énervent avec leur truc là. Alors. Putain, Rome n'est plus au. Non, mais c'est une blague ou quoi? Rome qui est devenue une. Non, mais là, je rêve, les amis. Rome n'est plus au. Romain. Ça veut dire que Rome n'existe plus. Que les Romains n'existent plus. Ah non, là, ils m'ont dégoûté. La campagne ne veut plus rien dire. Si vous regardez bien, en fait, la campagne est devenue. Complètement celte. Il n'y a plus rien qui appartient à Rome. Bah oui, moi aussi j'aimerais bien voir. Merde. Rome et. Rome. J'aimerais bien voir Marseille tomber. Mais je vais pas me lancer dans une bataille encore une fois parce que. Parce qu'il est déjà 22h16. Donc le temps de. Voilà. On va plus se recruter. Préparer en fait le live de la semaine prochaine, tout simplement. On peut pas avoir plus de. Putain, moi je veux des plus gros navires. Ok, bah il faut que j'attende le prochain tour. Putain.
Qu'est-ce qu'on fait? Là, ils attaquent plus trop parce que bah, ils se sont pris une sacrée dérouillée. Donc du coup, je pense qu'ils ont un petit peu peur. Ils font moins les malins. Par contre, eux, c'est pas des potes. Donc là, on va relever une armée ici. Parce que c'est loin d'être des potes. Il va falloir quand même qu'on commence à protéger nos... L'est de la Gaule. Mais la Gaule est presque complètement bretonne maintenant. C'est cool. Pourquoi je fais plus du Altis? Bah maintenant je veux refaire du Altis. Tout simplement, je vais en refaire. Parce que maintenant je peux le faire tourner à fond. Et c'est 100 fois plus plaisant. Oh merde, ils ont pris le truc de mes potes. Mais ils reviennent, c'est con là. Ah, je sais pas si je vais faire un live sur Payday. Je crois que je l'ai même plus. Il est même pas installé. C'est pour vous dire. Ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va arrêter à 20, donc juste à la fin de ce tour. Parce qu'il faut que j'aille rentrer ma voiture, pour tout vous dire. Et ensuite que je prépare le live. Putain, que des trucs de merde. Là, j'en ai même un qui est mort. Oh putain, lui il envoie du lourd. Gloire à la mer. Comment puis-je vous assister? Ouais, tenter l'assassinat. Ouais, mais en fait, on ne peut pas... S'ils en ont encore une... Putain, en fait, ils commencent à m'encercler un peu. Hein. Mes alliés, ils sont tous morts. C'est pas bon du tout. Mes alliés sont tous morts. Ils ont plus qu'une petite ville qui est là. Et qui est un petit peu dans la merde. Mais je crois pas parce que... Nous avons du rôti de porc pour vous, et aussi de la bière et de l'hydromel. Mais d'abord, parlons. On peut pas, en fait. Putain, j'avais même pas posé un accès militaire. Ok, ils veulent pas. Les dieux seraient mécontents si je disais oui trop facile. D'accord. Bon. Mon gars, les t-shirts barbares tétons de la mort guerrière et de l'infini interminable. C'est quoi? Fais voir ça. Je vais le donner, t'inquiète pas, Manucline. Ah bah c'est le même que tout à l'heure. Les tétons interminables. T'inquiète pas, je vais le donner. Ok, donc on va s'arrêter là les amis. Pour Rome. Et donc le prochain live, on ira attaquer Massilia. En plus, il y a mes alliés qui sont là. Nickel, bah, ça va être la grande foirade. Ça va être la grande bataille. Merci Todon. On se retrouve dans 10 minutes. Non, je suis pas sur le TS. Je suis sur rien du tout. Surtout que là, on va jouer à Wildstar. Donc on va être pépère tranquille. Donc on se retrouve dans 10 minutes sur cette même page que Todon vient de vous envoyer les amis. Je vous dis à tout de suite, je mettrai la rediff de ce beau petit live de Rome, qui était bien sympa, on a bien rigolé les amis. Beaucoup de chat ce soir, beaucoup de chat, et ça c'est cool. Pas beaucoup de chat, hein, beaucoup de chat, j'ai dit. Allez sur ce, à tout de suite les amis sur Twitch, sur Twitch, oui pardon. À tout de suite. Dans 10 minutes, tout à fait. 22h30, on se retrouve. Ça va, c'est court, 22h30. Je suis cool quand même. Ne dites pas le contraire. Allez, à tout de suite les amis.